Que se passe-t-il? Je me souviens aussitôt que Debbie m'a appelé. Debbie t'a appelé? Oui. Bébé, t'aurais pas dû te déranger, je m'occupe déjà d'elle. Elle va bien. Non, 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 non. Non, amenons-la à l'hôpital. Là. Amenons-la à l'hôpital. Non, bébé, bébé, bébé. Attends, ok, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, je vais l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Je te parle d'amener ma fille à l'hôpital et toi tu me racontes des histoires de... Bébé, je... Je vais la mettre. Écoute, je suis fatiguée de tes histoires. Je ne suis pas intéressée. Je retourne à l'école, j'ai plein d'autres trucs à faire. Je vais prendre un taxi. Il m'énerve. Salut ma beauté. Que faites-vous là toute seule, sous ce chaud soleil? On dirait que quelqu'un vous a vraiment contrarié. Allô? Je vous demande pardon. Eh bien, je vois que vous semblez attendre un taxi ou quelqu'un. Je peux juste appeler un ami chauffeur pour venir vous chercher si ça ne dérange pas. Non, merci. Je n'en ai pas besoin. Voyons, pas besoin d'être impoli. Néanmoins, je ne vais pas loin d'ici. Je peux rentrer et vous apporter un parapluie pour vous couvrir. Est-ce que ma peau s'est plainte? Pas du tout. Donc, laissez-moi tranquille. Laissez-moi prendre mon taxi en paix. Ma chérie du calme, je ne te veux pas de mal, d'accord? Bon, d'accord, je reste là. Attendons ton taxi ensemble. Mais d'ici, ce n'est vraiment pas évident d'en avoir. Pourquoi ne pas marcher un peu jusqu'au carrefour? C'est plus facile là-bas. Ok. Ça vous va comme ça? Ouais. D'accord. Eh bien, mon nom, c'est Steve. Moi, c'est Ella. Ella. Enchantée de faire ta connaissance. Enchantée également. Alors, allons-y jusqu'au carrefour. D'où est-ce que tu viens, Ella? Je t'ai posé une question. D'où est-ce que tu viens? Papa, je reviens de l'école. J'ai pris un taxi et en chemin, j'ai été coincée par les embouteillages. Où voulais-tu que je m'envole? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? J'étais dans cette foutue école pour te chercher, mais tu étais introuvable. Maintenant, réponds-moi. Où étais-tu passé? D'où est-ce que tu viens? Papa, suis-je une prisonnière dans cette maison? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux? Je suis une grande fille, pour l'amour de Dieu. J'ai besoin de ma liberté. Ella! Ella, je te parle! Elles se sont soudainement poussées des ailes. Mais je vais découvrir. Je vais découvrir ce qui lui fait voler des ailes pour voler. Je vais le découvrir. Mon amour, que dis-tu? Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas le supporter. Ça fait maintenant exactement 6 mois qu'on se connaît. Et je n'accepte plus cette situation. Bébé, je pensais qu'on avait un but. Pourquoi ce soudain changement? Mon père ne veut pas que j'aie des petits amis. Ok, tant mieux. Je voudrais t'épouser. Je viendrai voir tes parents et leur faire part de mes intentions. Je sais que tu le dis juste pour me calmer. Crois-moi, je suis très sérieux. Donc, quand est-ce que je pourrai les rencontrer? Mon père revient de la Chine la semaine prochaine. Et je veux que tu prennes le temps nécessaire pour y réfléchir. Parce que mon père est compliqué. Je suis un homme et je suis prêt à surmonter n'importe quel challenge pour pouvoir être avec toi. Je ne veux pas te perdre. Ok, quand tu te sentiras prêt pour rencontrer mes parents, tu pourras venir à la maison. Nos portes te seront toujours ouvertes.
Bibi, il faut qu'on parle. On doit parler, je dois te parler de quelque chose. Comme tu peux le constater, je suis très occupé. Peut-on, s'il te plaît, remettre ça? Non, non, non. Ça fait un moment que tu es allé en Chine. Et là, je pense que c'est le bon moment. Je dois finir avec ce travail car la présentation est prévue pour demain matin. Promis, je ne serai pas longue. S'il te plaît. C'est à propos d'Ella. Chérie, j'ai remarqué ton attitude envers elle. Surtout depuis qu'elle a eu 18 ans. Je pense que tu la surprotèges. Que se passe-t-il? Dans ce de ces conneries dont tu voulais me parler. Alors comme ça, tu vas me donner des leçons sur comment éduquer ma propre fille. Je ne sais pas. N'oublions pas. Écoute, n'oublie surtout pas qu'au départ, c'est toi qui n'étais pas d'accord avec son adoption. Tu n'as jamais épousé Lydie. Oui, mais c'était avant. Mais j'ai appris à l'aimer comme ma propre fille. Et légalement, elle est notre fille. Fred, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Ou quelque chose que tu devrais savoir? Tu peux penser peu importe ce que tu veux. Tu veux penser. Tu oses m'interrompre pour des bêtises pareilles. Bébé, je n'ai pas voulu te mettre en colère. Mon amour. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Bonjour, mon cher. Alors, tu es ce voyou qui détourne ma fille, hein? Que fais-tu dans la vie? Fred, arrête. Ah, Steve, s'il te plaît, n'y prête pas attention. Notre fille, elle nous a parlé de quelque chose. Mais nous voulions que cela sorte de ta propre bouche. Donc, sens-toi libre de t'exprimer. Merci, maman. Je t'en prie. Je m'appelle Steve. Je suis venu mettre au clair mes intentions. Auprès de vous. Je voudrais épouser Ella. Tu dois certainement être fou. Un vaurien. Toi, tu veux épouser ma Ella. Tu dois être stupide. Un pauvre chauffeur. Un chauffeur d'une entreprise de plastique. Je ne t'en veux pas, mais plus de cette stupide fille qui t'ouvre les portes de ma maison. Si jamais tu oses encore, si tu oses encore revenir avec cette idée chez moi. Maintenant, mets-toi dehors. Mais je te sors de chez moi avant que je te redise un morceau. Dégage! Que je ne revois plus jamais dans cette maison. Tu comprends? N'importe quoi. Fred! Maman, pourquoi papa se comporte-t-il comme ça avec moi? Ne veut-il pas que je me marie? La dernière fois que j'ai ramené un homme dans cette maison, il a traité d'illettré. Il a dit qu'il n'était qu'un vulgaire constructeur de bâtiments. Maman, que se passe-t-il? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Ella, j'ai besoin que tu te calmes. Je suis sûre que tout finira par s'arranger. On finira par arranger les choses. Mais pour le moment, j'ai besoin que tu rattrapes ce jeune homme, ok? Je veux que tu le fasses tout de suite, ok? Vas-y, vas-y, vas-y. Fred! Tata, Ella, viens avec nous, on sort avec papa.
Nathaï, là, tu vas bien? J'ai l'impression que ça ne va pas. Ça se lit sur ton visage. Viens avec nous, ça te fera beaucoup de bien. Papa, Nathaï, là, ne veut pas venir avec nous. Ok, alors, voyons voir. Et là, nous allons chez ton glacier préféré. Tu veux bien venir avec nous? Non, je n'en ai pas envie. Vous pouvez y aller sans moi. Merci. Bon, vous savez quoi, la fille? On va devoir y aller sans elle. Et à notre retour, on apportera de la glace pour Ella, ok? Ella, ça fait maintenant 2 heures. 2 bonnes heures depuis que cet incident s'est produit. Pourquoi tu n'oublies juste pas? Hein? Maman, c'est le deuxième gendre que papa chasse de cette manière. Je ne comprends pas. Papa veut que je sois vieille fille pour toujours. Je... Steve, mais maman, et je l'aime tellement. Mais pourquoi papa le déteste-t-il autant? Chérie, viens. Je comprends, mais je suis désolée. Je suis vraiment navrée de ta situation. Mais ne t'inquiète pas, j'ai parlé à ton père. Je vais lui parler. Et je suis sûre qu'il changera d'avis. Ok? Pourquoi papa agit-il comme ça? Je commence à croire qu'il me déteste. Il ne te déteste pas, il te protège juste, ok? Hein? Ton père t'aime tellement. Et tout ce qu'il fait, c'est pour te protéger, ok? Il t'aime. Tu comprends? Ne pleure plus. D'accord, maman. Je t'aime, mon bébé. Mon ange. Je sais que je suis la dernière personne que tu veuilles voir maintenant, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Papa, pourquoi ne veux-tu pas que je me marie? Pourquoi me fais-tu ça à moi? J'ai été un bon et obéissant enfant envers maman et toi. Écoute. De tous ces hommes qui sont venus pour toi, aucun n'est bon pour toi. Ils ne pourront pas prendre soin de toi comme je le fais. Écoute, mon ange, je suis désolé pour le tort causé, ok? Écoute, pour ta remise de diplôme, je t'offre une nouvelle voiture, ok? Je ne veux pas de tes cadeaux, je veux être libre. Papa, je suis fatiguée de tous ces jeux auxquels tu t'adonnes. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Ella! Viens ici. Ella. Ella, je te... Allez, reviens ici. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est totalement hors de contrôle. Ella, jusqu'à quand vas-tu continuer ainsi? Écoute, il est grand temps d'oublier le passé et penser à ton avenir. Hein? Un avenir que l'homme qui est censé être mon père s'est juré de détruire. De quel autre futur me parles-tu encore, maman? Je commence vraiment à m'inquiéter plus qu'il n'en faut. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Qu'est-ce que tu ne me dis pas exactement? Maman, en tant qu'enfant obéissant et loyal, ne penses-tu pas que je mérite d'être heureuse
et d'être mariée à l'homme que j'aime. Ne penses-tu pas que je mérite tout ça? Tu le mérites. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites le meilleur. Tu mérites tout ce qu'il y a de beau, mon ange. Mais j'ai besoin de ton aide. Je sais que quelque chose ne va pas et je peux le ressentir fortement. Et je ne peux rien faire si tu ne m'aides pas, si tu ne me dis pas quel est le problème. Que se passe-t-il? Hein? Ça va aller. Ok? Viens là. Ça va aller. Fred, je n'apprécie pas la manière dont tu gères cette affaire. Hein? Pourquoi te comportes-tu de la sorte? Et les excuses que t'avances pour ne pas accepter ces demandes ne tiennent pas la route. Déjà deux gendres et jusque-là, pour toi, aucun ne convient à notre fille. Maintenant, tu vas m'écouter. Je suis l'homme de cette maison. Et c'est moi qui ai le dernier mot. Sinon quoi, Fred? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle a une autre fille et elle a besoin de notre soutien. Et non de cette peine que tu lui infliges. Y a-t-il des... Des conneries. Tu reviens ici. Tu vas m'expliquer. Tu dois m'expliquer la raison pour laquelle tu te comportes de la sorte. Chaque fois que j'aborde le sujet, tu vas toujours l'esquiver. C'est comme ça qu'il fut à chaque fois que j'aborde le sujet. À chaque fois, c'est toujours pareil. Tu vas revenir me trouver ici, tu vas voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa et maman ont eu une grosse dispute et j'ai peur. Mabus, maman et papa sont des adultes, ok? Et les adultes ont toujours des querelles comme ça. T'inquiète surtout pas, d'accord? Super, maintenant viens avec moi. Viens par là! Mon bébé est déjà grande. Anna, tout allait bien cet après-midi. Que s'est-il passé? As-tu cogné la tête sur quelque chose? Hein? Maman, je me sens tellement faible et nauséeuse. Tu dis faible et nauséeuse? Ouvre tes yeux. Tu ressens mal là? Maman, arrête! Ne penses-tu pas que je suis assez grande pour savoir si je suis enceinte? Je pense que c'est dû au stress ou à la typhoïde. As-tu dit stress ou typhoïde? Oui. J'appelle Dr Ben tout de suite. Il arrive tout de suite. S'il te plaît, docteur, de quoi souffre ma fille? Elle va bien? Oui, elle va bien. Elle est enceinte? Non. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je peux l'encaisser. S'il te plaît. Elle n'est pas enceinte. Ce sont des symptômes de stress. Mais dites-moi, a-t-elle récemment subi un quelconque stress? Oui. Mais est-ce que c'est sérieux? Devons-nous nous inquiéter? Non, ce n'est pas si sérieux que ça. Elle passera à l'hôpital demain, je vais lui prescrire des médicaments. Et ça va passer, arrêtez-vous juste à l'hôpital pour les prendre, d'accord? Merci, docteur. J'étais inquiète. Merci. J'étais vraiment inquiète. J'ai cru qu'elle est tombée enceinte comme son père refuse
refuse qu'elle se marie. Non, non, elle ne l'est pas, mais ça me rappelle. Fred insistait-il toujours à ne pas la laisser se marier? Est-il vraiment sérieux avec cette mission suicide? Mission suicide? De quoi parles-tu? Ça va. Docteur, t'es le meilleur ami de mon époux. Quelle raison a-t-il donné pour ne pas la laisser se marier? Docteur, s'il te plaît, parle-moi. Maria, il ne m'a rien dit, du moins rien d'alarmant. Mais le moment voulu, vous allez en parler. Bon, j'ai laissé des patients qui m'attendent, je dois y retourner. Hein? Alors, d'accord. Prends soin de oui, toi. Oui, je te raccompagne. Que se passe-t-il avec ton téléphone? J'essaie de t'appeler, mais tu ne prends pas. Je ne comprends pas. Bébé, s'il te plaît, peux-tu juste me laisser tranquille? Je ne veux pas qu'un fou débarque de nulle part et me mette mal à l'aise. Un fou? Je pensais que t'avais dit que tu resterais avec moi. Peu importe les circonstances. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, cette situation est critique. Elle est vraiment, vraiment critique pour moi de la gérer. C'est évident que ton père voudra t'épouser. Donc, ok, il peut rester avec toi. Je ne suis plus intéressée, laisse-moi tranquille. Excuse-moi. Comme ça, tu me tournes le dos. C'est papa qui sera le premier à être content. Bon sang, mais d'où est-ce que tu sors, toi? Tu sors d'où? Je suis à la maison, c'est tout ce qui compte. Aïe, tu me fais mal. Hey, hey, Tu vas contrôler ta façon de me parler, jeune fille. J'étais là à t'attendre, dans l'inquiétude. Et quand tu rentres, c'est tout ce que tu as à dire. Tu t'amuses avec moi? J'ai eu un imprévu et je devais rester un peu plus longtemps. Hey, c'est quoi tout ça? Quoi? C'est quoi le problème? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi tu voulais la battre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Que se passe-t-il? Je n'en sais rien, maman. Est-ce que ça va? Oui. Viens, on y va. Ella? Où vas-tu? Que se passe-t-il dans cette maison? Chérie? Tiens, mange. Et que depuis que t'es rentrée, ton comportement a totalement changé. Ton attitude envers tout a changé drastiquement. Que se passe-t-il? Hein? Maman, le problème c'est papa. Mais malgré tout, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien parce que tu... Tu m'inquiètes constamment. Sinon, comment tu m'expliques le fait que tu quittes d'être la prunelle des yeux de ton père à son adversaire de boxe? Comment? Maman, je pense que papa est le mieux placé pour répondre à cette question. Merci, je m'en vais. Ella. Peu importe à quel point toi et Fred fuyez ce sujet,
Vous allez finir par me donner une réponse. Vous allez décidément me donner une réponse. Ça va peut-être prendre du temps, mais vous allez me fournir une réponse. Je vais trouver la source de tout ceci. C'est cool que ma maman médite la parole de Dieu. Ça m'apaise. Chérie, ça m'apaise également. Rejoins-moi. T'as l'air radieuse aujourd'hui. Ça veut dire que mon ange est de retour. Maman, j'ai une bonne nouvelle à partager avec toi. J'espère que je ne te dérange pas. Non! Je ne serai jamais trop occupée pour ma fille, chérie. Allez, partage. Quelle est la nouvelle? Maman, devine quoi? Quoi? Ok. J'ai de nouveau quelqu'un dans ma vie. Et il m'aime d'un amour sincère. Il dit qu'il veut vous rencontrer, mais je veux qu'il fasse ta connaissance en premier. Maman, s'il te plaît, fais ça pour moi. Mon ange... Tu es tellement belle. Et tout homme qui poserait les yeux sur toi ne voudra jamais te laisser. Ne voudra jamais te laisser. Alors dis-moi, c'est quoi son nom? Et d'où est-ce qu'il vient? Son nom, c'est Mike. Il dit qu'il est de l'Est. Mais je ne peux pas exactement dire de quel village il est. Lorsque vous parlerez tous les deux, tu le sauras. Fille coquine, tu sais quoi? Je vais rencontrer Mike. Mais la rencontre ne se fera pas dans cette maison. Ni chez lui d'ailleurs. On va trouver un endroit. Mon ange, je ferai tout pour te rendre heureuse. Je suis contente que tu sois heureuse. Je suis tellement heureuse. Je t'en prie. Mike, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que mon père est là. Et s'il te voit, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ton père est un lion. Ah, je suis venu te voir. Allez, calme-toi, chérie. Et tu manques. Allez, comment tu vas? Je vais bien, merci. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Comment peux-tu me demander de m'en aller maintenant? Allez. Écoute juste, maintenant. Voilà ce que je disais. Et là, que fais-tu dehors avec ton ami? Invite-le à entrer. Tu vois ce que tu as causé. Je te conseille de t'en aller. Ça ne va pas bien se terminer. Elle vient tout juste de me demander d'entrer. Écoute, on va pas désobéir à ton père quand même. Allez, toi aussi, chérie. Hé, on y va. Bonjour, monsieur. Et là, j'aimerais que tu nous laisses. Je veux avoir une conversation avec ton ami. Je parie que tu vas très certainement me raconter une histoire comme quoi tu aimes ma fille. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Je l'aime énormément. Et si Dieu le permet... Et avec votre approbation, j'aimerais prochainement l'épouser dans le futur. Tu n'es que malade. Je suis sûr que tu es convaincu des conneries que tu débites de ta bouche. Tu voulais me le prouver, n'est-ce pas? Maintenant, écoute-moi. Tu n'auras jamais mon accord. J'aime ma fille. Elle compte beaucoup pour moi. Et je tiens à l'éloigner des délinquants comme toi. Tu m'écoutes? Alors, ceci sera ton seul avertissement. Je ne comprends pas, monsieur, mais s'il vous plaît, j'aime votre fille. Juste, donnez-moi une chance et une opportunité de... Dégage de chez moi, pauvre gars!
quoi ces bêtises? Mais monsieur, je... J'ai dit, dégage! J'ai compris, monsieur, mais écoutez, j'aime votre fille. Tu dois être cinglé. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Et là, je t'interdis! Je t'interdis! Je t'interdis de suivre cet homme! Tu viens de commettre une erreur! Tu vas goûter à mon venin! Ella, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'y a-t-il? Parle-moi. Papa l'a encore fait. Qu'a-t-il encore fait? Tu as l'air mécontente. Je suppose que ta fille t'a raconté ce qui s'est passé. Ne devrais-je pas, dis-moi. Ne devrais-je pas? Fred, que se passe-t-il? Je veux dire, c'est quoi tout ça? C'est le rêve de tous les pères de voir leur fille se marier à un bon gendre. Mais ton cas est différent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ça? Je ne suis pas prêt à céder à aucun homme. Ok? Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Fred! Fred, tu vas m'expliquer. Tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors? Fred. N'oublie pas que l'anniversaire de Debbie, c'est dans quelques semaines. Ah, nous y voilà. Que veux-tu dire par nous y voilà? Ah, rien, je t'écoute. Elle m'a fait part du fait qu'elle voulait un grand anniversaire. Donc, on doit le planifier. De toutes les façons, c'est ton domaine, alors je te laisse gérer tout ça, d'accord? Tu vas-y, gère. Ok. Ton domaine, c'est l'argent. Je vais essayer. Non, tu ne vas pas essayer. Tu vas nous fournir le nécessaire. D'accord. Ella? Chérie, où comptes-tu aller avec cette valise? J'ai décidé d'aller loin de cette maison. Je m'en vais loin d'ici pour recommencer une nouvelle vie. Je suis fatiguée. Tu t'entends parler? Est-ce que cela est raisonnable? Tu penses que c'est la meilleure décision à prendre à ton âge? Mon ami, ramène cette valise à l'intérieur et arrête de te comporter comme un cancre. Ella. Je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais j'ai été ta mère pendant justement. Des années. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne suis pas votre fille biologique. Papa a décidé d'être un frein à mon épanouissement personnel. Je dois partir. Écoute-moi. Nous, ton père et moi, avons appris à t'aimer depuis le premier jour de ton adoption. Hein? Ne fais pas ça. Quitter la maison n'est pas la bonne chose à faire maintenant. Hein? S'il te plaît, retourne à l'intérieur. Ella, je tiens à m'excuser pour mon comportement. Je sais que je n'ai pas vraiment bien agi. Alors, je m'excuse. Tu sais, je te fais la promesse que désormais, tu auras... Ça suffit. Assez de tes promesses vides. Et fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut.
Bébé. Bébé. Mais c'est quoi le problème? Je me tiens là devant toi et tu ne me remarques même pas. Qu'est-ce qui te dérange? Ton père. Je l'ai rencontré plus tôt aujourd'hui. Et cet homme m'a effrayé. Il m'a carrément tout dit aujourd'hui. Écoute, chérie, il complique vraiment notre amour. Pourquoi? Mais crois-moi, je lui ai bien fait comprendre que je ne suis pas une imbécile. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Je vais parler à mon père, ok? Non, non, non. T'inquiète, chérie, je peux gérer la situation, ok? Je peux la gérer et le confronter comme un homme. Je ne veux pas que tu te battes avec mon père. Et je ne veux surtout pas qu'elle ruine ta journée. S'il te plaît, reste calme, ok? Je suis venue jusqu'ici pour cuisiner pour toi. Tu sais, ton père, il est compliqué. Mais crois-moi, chérie, il ne connaît juste pas le type de personne que je suis. Tu sais, t'as toujours les mots justes pour m'apaiser. Tu peux me croire que je vais toujours t'aimer, d'accord? Super, alors maintenant, il faut que j'aille cuisiner. Ok. Un bon petit repas traditionnel pour toi. Mmh. Tu viens? D'accord, pas de problème. Ok, on y va. Je viens, bébé. Mais père, je ne suis pas ravi que vous ayez refusé mes colas. Vous les avez refusés. Vous savez, peu importe la situation, vous êtes les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus. Alors, je vous écoute. Merci beaucoup, on le sait. Merci pour la cola. Mais on les mangera si ce pourquoi nous sommes venus ici aboutit. Oui, c'est vrai. Nous sommes là parce que ta femme s'est plainte de ce qui se passe ici particulièrement. Spécialement de toi, qui refuse de donner la main de ta fille en mariage. Que se passe-t-il? Écoute bien ce que je vais te dire. Que les enfants qu'on accouche finiront toujours par partir. Quand le temps de quelque chose arrive, sache que ça se fera. Sache qu'il y a un temps à toutes choses et surtout un temps pour tout. Emmanuel est prête pour le mariage. Mais pourquoi la retiens-tu? Pourquoi? Alors ça, c'est très intéressant. Alors, tu as ramené mes oncles ici. Tu vas jusqu'à me dénoncer chez mes oncles. Alors, c'est là où nous en sommes. Ok. Puisque vous êtes venu jusqu'ici pour le confirmer, puisque nous parlons de ma fille, Ella. Ma fille. Fred, baisse ton ton et contrôle ton langage. As-tu oublié qu'on s'est entendu de ne rien dire? Oh non, nous n'avons aucun accord. Puisque tu prends toutes tes aises pour aller me dénoncer chez mes oncles, c'est mieux de convoquer toute la famille, les tantes, afin qu'ils soient tous au courant. C'est une essai de mentir. Ella, n'essaie même pas de me toucher. Ella n'est pas ma fille biologique. Elle n'est pas notre fille biologique. Je l'ai trouvée lors d'un de mes voyages au Ghana et j'ai décidé de l'adopter. Es-tu en train de dire que Ella n'est pas ta fille biologique? Oui, mon oncle a été adopté. Même si ma femme n'était pas d'accord avec l'idée au départ. Mais elle a bien fini par l'accepter. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je ne serai personne débarqué ici et ruiner les plans que j'ai pour Ella lorsque je l'ai adoptée. Voilà ce que j'ai à dire concernant ce problème. Quel plan avais-tu quand tu as adopté Ella?
Si ce n'était pas de l'aimer et de prendre soin d'elle comme ta propre fille, c'est quoi ce grand secret que tu nous caches? C'est quoi ce secret? Frédéric Johnson, t'as adopté cette fille et, par conséquent, devant la loi, c'est ta fille. Pourquoi ne veux-tu pas qu'elle se marie? Tu as bien parlé, en tout cas. Frédéric, donne ta fille en mariage au gendre qui viendra se présenter. Choisis l'un d'entre eux avant que les gens ne commencent à lancer des rumeurs que tu ne vas pas apprécier. Okosikokwan, Ndoka, j'en ai terminé. Absolument. Merci, mes aînés. Merci, oh. Merci. Arrête, s'il te plaît. Je suis ta fille pour l'amour de Dieu. Fille adoptive, je te fais savoir que depuis j'ai envie de toi, mais tu ne cesses de me repousser. L'adoption n'est pas censée être comme ça. Devant le Seigneur, tu es mon père et ta femme est ma mère. Et là, je t'avais pourtant tout expliqué. Je t'avais tout expliqué. Et tu étais d'accord. Pourquoi ce changement soudain? Que s'est-il passé? Est-ce que tu fais quelque chose de mal? Tu as tout fait de travers, papa. Tu m'as poussé à faire du mal. L'essence de l'adoption est tout, sauf le viol. Tu m'as trompé pour coucher avec moi. Et maintenant, tu veux que ça devienne une normalité. Pourquoi? Maman a toujours été bonne envers moi. Pourquoi me pousses-tu à la trahir? Écoute, J'espère que tu n'as pas l'intention de le dire à ta mère. Peut-être que je devrais, pour qu'elle sache avec quel genre de monstre elle vit. Hey! Ella? Non. Elle est contrariée suite à... Elle est contrariée suite à notre dispute. Par rapport à son voyage à l'étranger pour son master. Et je l'ai fait comprendre. Et que ce n'était pas le bon moment. Je préfère qu'elle reste ici comme ça, elle pourra prendre la relève de l'entreprise. Mon cœur, il n'y a pas de problème avec le fait qu'elle a étudié à l'étranger. Mais elle peut toujours rentrer, diriger l'entreprise. Je comprends, chérie, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. S'il te plaît, va te rafraîchir. Va te rafraîchir. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois venir. Tu essaies de me corrompre. Quoi? Rien, mon cœur. Tu essaies de me corrompre, n'est-ce pas? Oui, quelque chose de ce genre. Hey, et voilà mon ange. Alors, comment tu vas? Papa, tu m'as perturbé avec tes nombreux appels encore aujourd'hui. Désolé, je ne voulais pas te déranger. Qu'essayes-tu de faire? Voyons, Ella. Pourquoi tu fais ça? Tu me repousses depuis plus d'un an maintenant. Que se passe-t-il là? Papa, ça fait 6 ans que tu fais cela. Et ça ne me plaît plus du tout. Et il y a de cela 1 an, tu as décidé de rendre ma vie misérable en chassant tous mes prétendants. Papa, ceci est une nouvelle réalité. Je suis assez grande pour prendre mes propres décisions. Ça ne m'intéresse plus et c'est définitif. Écoute, Ella, tu ne peux pas me faire ça. Non, Maria, pas maintenant. C'est maman qui t'appelle. Papa, décroche ton téléphone et passe-lui mes salutations. Merci. Ella, tu ne peux pas me faire ça, d'accord? Oui, Maria. À la maison. Oui, j'y suis. Oh, ok. Ella! Ella? T'es sûre que tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. C'est juste que j'ai quelque chose dans les narines. Vraiment? Quelque chose est entré dans ton nez maintenant? Oui. Bien joué. Alors, maman, que puis-je faire pour toi? Alors, prends ces clés de voiture
Je veux que tu ailles au bureau de Ngozi et que tu me la ramènes. J'ai besoin qu'elle soit ici ce soir pour qu'on puisse organiser tout ce qui concerne l'anniversaire ensemble, tu vois? Ok? Maman, tu as oublié que je n'aime pas conduire? Ah, j'ai plus envie de conduire, je ne veux plus sortir. T'inquiète pas, maman, je vais prendre un taxi. Vraiment? Mais oui. Ok, oui, ok, c'est bon. Mais fais attention, je n'ai pas confiance en ces gens. Vas-y vite pour rentrer rapidement. D'accord, je ferai attention, promis. Dépêche-toi, il faut vite rentrer, d'accord? Ok, maman. J'ai essayé de te dire, mais la culpabilité m'accablait. Je t'ai ouvert mon cœur et ma maison. C'est ainsi que tu me remercies. Tu es cruel. Je maudis le jour où je t'ai laissé entrer dans ma maison. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'es pas non plus innocente. Je connaissais ton secret toutes ces années. Et je n'ai rien dit. De quel genre de putain de secret est-ce que tu parles? Je ne suis pas comme toi. T'es indigne. T'es indigne, vulgaire. Et tu couches avec ton père. N'as-tu pas honte? J'ai des preuves que ton mari n'est pas le véritable père de ses enfants. Il est infertile. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas te faire ça. Ferme-moi ça. Ferme ce trou que t'appelles bouche. Frédéric est le père de mes enfants. Je ne sais rien de ces bêtises que tu racontes. Maintenant, tu fais tes affaires et tu quittes ma maison, enfant démoniaque. Libère ma maison. Je sais que mes actes t'ont blessé, mais cela ne te donne pas le droit de me traiter de démoniaque. Je te rappelle que nous sommes des oiseaux du même plumage. Tu es pathétique. Tu es pathétique. T'essaies juste de me distraire. Mais t'as échoué. Cela ne marche pas. Alors fais tes affaires. Et fous le camp de chez moi tout de suite. En as-tu 20 février 2014 et le 15 juillet 2015 à la rue Taubel. Je rentrais de l'école après t'avoir attendu pendant un peu plus d'une heure. Et je t'ai supplié. Non, rien. Absolument rien. Parce que si ce que tu racontes était vrai, tu m'aurais... Pourquoi ne m'as-tu pas confronté? Parce que tu es cruel. Parce que c'était un enfant. Un enfant qui a assisté à des horreurs ces jours-là. Maintenant, dis-moi, Maria. Avec qui me trompe? Es-tu? Non, rien. Rien du tout. Absolument. Rien du tout ne s'est passé ces jours-là. Elle veut juste... La ferme! Je serai dans la chambre. Je t'attends impatiemment. Nous aurons cette conversation jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Donc, quand tu auras terminé de te mentir à toi-même, tu m'y retrouves.
Ne me fais pas perdre mon temps. Tu vois ce que t'as fait? Tu es démoniaque et tu veux détruire mon foyer. Tu veux détruire mon foyer. Tu as échoué. 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 Je vais refaire mes bagages et m'en aller d'ici. Lily, tu as l'air si inquiète au téléphone, mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que ton père a encore fait? Emmène-moi loin d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît, allons-nous-en. Arrête de pleurer, ça va, hein, allons-y. Allons. Ça va aller, allons-y. Je vois que tu as pris ton temps. Quand avais-tu l'intention d'en parler? Maintenant, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi avec qui me trompes-tu? Ne me demande surtout pas d'arrêter, ok? Parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Surtout après les résultats médicaux que tu m'as montrés. Maintenant, parle. Fred, vas-tu maintenant croire à tous les mensonges qu'on te racontera? Elle ment, je ne te trompe, je ne t'ai pas trompé, je te trompe avec personne. Ces enfants sont les tiens. La ferme. Fred, tu m'as giflé. Et je ferai pire si tu ne me dis pas ce que j'ai besoin de savoir. Dis-moi qu'est ce bâtard. Hein? D'accord. Je vais confesser. Sache juste que j'ai fait ça pour nous. Tu penses que je blague? Tu vas parler oui ou non? Tu penses que je rigole? Je vais te montrer l'autre côté de moi que tu ignores. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche, pauvre sorcière, et commence à parler. Avant que je t'amoche. Ben. Docteur Ben. Elle le perd des enfants. Tu vois, Maria, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ok? Tout va bien chez toi, je te l'avais dit. Continue juste à prendre tes médicaments et tout ira bien. S'il te plaît. Docteur Ben. Oui. T'as été le médecin de cette famille pendant des années. C'est vrai. Vous en avez tellement fait. Je suis passée par des séries de tests et d'examens, et parfois des traitements. Mais jusque-là, je n'arrive pas à concevoir. Je suis fatiguée. J'ai besoin de quelque chose de différent, quelque chose de physique. Écoute, Maria, tu n'as pas à t'en faire autant. Sois juste patiente. Sois juste patiente et prends tes médicaments. Tout ira bien. Je suis ton médecin. Et si tu as un problème, je te le dirai. Je t'ai toujours dit la vérité. Tu vas médicalement bien. Tout va bien chez toi. Alors la seule chose que je peux te dire, c'est de prendre tes médicaments, tu iras bien. Ben, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. S'il te plaît, touche-moi. Je dois me rassurer que c'est pas moi le problème, que je ne suis pas stérile. Non, sans. S'il te plaît. Arrête, aide-moi, Maria. S'il te plaît. Ceci s'il te est plaît, ta chambre. Aide-moi. Ta chambre conjugale. Et si ton époux rentre et il nous surprend là? Non, mon mari est au travail.
Et à l'école, c'est juste nous deux, s'il te plaît. Je ne peux pas le faire, s'il te plaît. Juste nous deux. Maria. S'il te plaît, tu vas aimer. Ah, es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Je ne suis pas à l'aise, s'il te plaît. Au moins, pas ici. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. Maria. Touche-moi. Maria. Oh, et bébé? Alors, qu'est-ce que nous célébrons? Attends, dis-moi, c'était quoi, ce grand sourire? Chérie, ok. Bébé, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et c'est merveilleux pour nous. Oui, alors, d'accord. Et ouais, cela demande une grande célébration. Une grande célébration et tu me sers un verre de jus. Au lieu plutôt de me servir un verre de vin. Ouais, je veux dire, quelque chose de mieux, puisque c'est quelque chose de grand, comme tu le dis. Ok. Disons-nous juste que nous ne voulons pas faire de mal à notre petit. Attends. Tu veux dire que tu es enceinte? Oui. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Oui. Wow! Pour de vrai? Oui. Alors je serai papa? Oui, bébé. Attends. Non, attends. Et tu me dis juste... comme ça? Je crois que je vais devenir fou. Calme-toi. Alors, je suis allée à l'hôpital ce matin. Et j'ai découvert que j'étais enceinte, mais je ne pouvais pas attendre pour partager la bonne nouvelle avec toi. Non. Écoute, tu sais, on ne va pas partager cette nouvelle comme ça. En fait, j'ai fini avec ce travail. C'est ma meilleure nouvelle depuis un certain moment. Je vais devenir papa. Oui, bébé. Est-ce que tu t'imagines? Maintenant, on doit célébrer ça. On doit célébrer ça, ok, d'accord? Allez, viens. Que veux-tu dire par célébrer cela? Allez, viens, on va célébrer ça comme il se doit, avec toi. Nous allons le faire ensemble. Que se passe-t-il, bébé? Tu es encore enceinte? Oui, bébé. Ça fait juste 9 mois que j'ai accouché. Bébé, je suis désolée. Je suis tellement désolée pour ça. Je n'aurais pas dû sauter mon contrôle. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi serais-je fâchée? Tu es enceinte? Voyons, on l'a fait. Je l'ai fait, tu es encore enceinte? De quoi te reproches-tu? Voyons, oui, nous l'avons encore fait. Tu es encore enceinte. Je l'ai fait, tu es encore enceinte. Mais de quoi te reproches-tu? Nous aurons encore un bébé. Nous aurons encore un bébé. De quoi est-ce que tu parles, Seigneur? Écoute, on s'en fout. Oui, désormais, on s'en fout des contrôles de bilan de grossesse, ok? Parce qu'on ne fera plus ce foutu contrôle pour avoir nos bébés. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Mais bébé, dis-moi pourquoi tu crois que j'allais t'en vouloir. Allez, viens là. Merci. Bébé? Mon cœur. Je suis déjà prêt. Je ne voulais pas te déranger. Ça va mieux? Oh. Et Debbie? Elle dort. elle m'a tellement dérangée. Maintenant, elle dort. Ok, bien.
Pourquoi es-tu habillé comme ça? Est-ce que tu sors? Oui, je dois passer prendre Caris à la crèche et récupérer Ella à l'école. Ah, merci bébé. Je te garderai quelque chose à mon retour. Au revoir. D'accord bébé. Renseigne-toi. À plus tard. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée bébé. C'était une erreur stupide qui nous a donné des petits bouts de bonheur. Je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai découvert ton infertilité, je voulais juste avoir des enfants. S'il te plaît. Viens. 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 Ça va. Tu ne m'en veux pas? Je suis désolée, je ne savais pas. Je suis tellement désolée. C'était une erreur. Ça va. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Pour les enfants. Ça va. Ce sont mes enfants. Ça va aller. Seulement, ne me mens plus. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, mon cœur. Ça va aller. Désolée. Oh, le grand Hiroko est de retour. Comment vas-tu? Ça, c'est une journée bénie. Ça fait un bon bout. Ah, docteur Ben. Oui, Maria. Je ne savais pas que t'étais là. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. C'est pas grave, d'accord? Quand Hiroko me demande, je n'ai pas d'autre choix que de répondre. Ouais, okay. C'est ce qu'il m'a dit. Fredo, tu n'es pas aussi enthousiaste que tu l'étais au téléphone. Maria, qu'y a-t-il? Non, tout va bien, n'est-ce pas? Hé! Hey! Ne bouge pas, toi aussi. Qui y es-tu? Je t'ai fait confiance en tant que mon ami. N'es-tu pas censé être mon ami? Ne fais pas ça. Je suis ton meilleur ami. S'il te plaît. Combien de fois as-tu couché avec ma femme? Fred, calme-toi, s'il te plaît. Baisse cette arme. Ce sont des objets dangereux, s'il te plaît. Personne ne doit jouer avec. Maria, s'il te plaît, parle à ton mari. Combien de fois as-tu couché avec ma femme? S'il te plaît, Fred. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chut. Je t'ai posé une question. Depuis quand tu couches avec ma femme? Tu dis être mon ami. Pourquoi l'as-tu fait? Maria, parle-lui. Hey!
S'il te plaît. Tu sais que tu es mon meilleur ami. Maria ici présente était ma petite amie quand on était à l'école. Tu sais très bien qu'elle m'était promise avant, mais tu étais plus riche et désespérée. Et tu l'as eu, c'est pour ça que je l'ai perdue. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ma petite amie, tu le sais. C'était mon ex stupide. T'es qu'un gros con. S'il te plaît. Ne bouge s'il pas. Te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi pour l'amour de Dieu. Ça n'arrivera plus, s'il te plaît. Je le jure devant Dieu que cela n'arrivera plus. C'était juste une erreur, s'il te plaît. Cela fait des années maintenant que tu couches avec elle, n'est-ce pas? S'il te plaît. Tu ne mérites pas mon pardon. Approche. Non, s'il te plaît. Viens, 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 viens. Viens. À genoux. J'ai dit à genoux. S'il te plaît. Tais-toi. Tu n'es qu'une pute. Tu n'es qu'une sale merde. J'ai chanceuse, j'ai tellement de chance. Que je t'aime tellement, c'est la seule raison pour laquelle je vais t'épargner la vie. À cause de mes enfants. Oui. Ils sont encore mes enfants. Ils ne méritent pas de payer pour tes erreurs. Ils sont innocents. Ils ne méritent pas ça. Alors prends soin d'eux. Merci. Et ne t'en fais pas. Nous resterons en contact. Tu auras tout ce que tu voudras. La police est déjà en route. Je vais monter me changer. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. Ben. 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 Désolée de te déranger. Je t'apprécie vraiment. Je t'en prie, maman. J'aime Ella. Ok, et crois-moi, maman, j'aime énormément cette fille. Allez, t'en fais pas. Tout ira bien, maman. Ok? T'inquiète pas, tout ira bien pour votre mari. Et il ira bien et tout sera normal. Tu penses? Oui, bien sûr. C'est juste que Ella n'est pas revenue à la maison depuis qu'elle est partie. Je sais qu'elle se sent coupable par rapport à toute cette situation, mais ce n'est pas de sa faute, elle n'est pas coupable. La vie a juste décidé de souffler un mauvais vent sur nous, sur moi. C'est bon, ça va, maman. C'est bon, ok? Croyez-moi, Ella n'a pas culpabilisé depuis l'emprisonnement de son père. Je suis en train de vous dire la vérité, ok? Mais... nous prions juste que sa sentence soit allégée d'un an au plus. Okay. Tout va aller pour le mieux, ok? Alors, comment vont les enfants? J'ai dû les envoyer chez ma mère pour qu'ils n'assistent pas à tout ça. Et je leur ai dit que leur père a voyagé pour l'étranger. Juste que Ella me manque. Ok. Elle est innocente dans tout ça. Elle me manque. Ne vous inquiétez pas, madame, ok? Je vais la convaincre de venir vous rendre visite, ok? Croyez-moi, vous lui manquez aussi. Merci. Ok, je dois prendre congé de vous, maman. D'accord. Je vous en prie.
Prenez soin de vous. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, maman. Bonne route. D'accord. Fais attention à toi. C'est comme s'il n'y a plus de connexion dans cette maison, tu ne trouves pas? Ça dérange sérieusement. Essaye encore. Il n'y a plus de connexion, je te dis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bébé, qu'est-ce que t'as? Est-ce que tout va bien? Attends, je te ramène dans l'auto de suite. Tu dois boire un peu d'eau, voyons. C'est quoi ça? Comment? Mon amour. Je sais bien que ce n'est pas le moment. Mais je me demande. Quand est-ce qu'elle sera? Oui, oui. C'est vrai que c'est un moment difficile pour tout le monde. Mais crois-moi, je veux que tu comprennes quand ce moment très très précis que moi je t'aime. Et laisse-moi te faire comprendre que l'amour vit en toi. Et là, chérie, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? Mike, tu es le pansement de mon cœur. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Et je te veux près de moi pour toujours. Oui, je veux t'épouser. Merci. Crois-moi, chérie, je vais toujours t'aimer. Ok? Moi aussi, je t'aimerai pour toujours. Viens par là. Mes aînés, j'apprécie vraiment ce grand geste. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Écoute, femme, honorer votre invitation ne devrait pas être un problème pour nous. Parce que tu as toujours été une bonne femme pour notre défunt frère. Et par conséquent, une très bonne belle-fille. Une bonne belle-fille. Mais nous aimerons savoir pourquoi est-ce que tu nous as convoqués. Parce que, comme on le sait, la période de deuil est passée. Alors, pourquoi nous avoir convoqués? Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'un an que j'ai enterré mon cher époux, Fred. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de faire place aux bonnes nouvelles dans cette famille. Alors, Ella est prête et à mon accord. Notre femme, je ne pense pas que tu nous as appelé ici pour des devinettes. Ella est prête pour quoi? Et qu'est-ce que tu as accordé? Sois claire, vas-y, parle. Je sais que dans des cas pareils, c'est nous qui devons venir vous voir. Mais je vous prie de faire exception. Mike, ici présent, a quelque chose à vous dire. Mike, s'il te plaît. Parfait. Vas-y. Merci, maman. Tout d'abord. Je vous salue, mes aînés. Mon nom est Mike Ekibo. Je suis fils unique et prince héritier du royaume de Fofo. Je suis ici pour demander la main d'Ela. Jeune homme, je connais le royaume de Fofo très bien. Et je sais aussi que
L'unique prince du royaume d'Ofofo. Son nom, c'est... Il se nomme Ekemakola. C'est exact, ancien. En effet, je suis Ekemakola. Je suis venu des États-Unis il y a un an et j'ai décidé de me déguiser, comme me l'avait conseillé mon père. Et maintenant, j'ai trouvé ma femme. Bien, mon prince, tu as très bien parlé. Et là, tu l'as fait comme un homme. Mais tout d'abord, la tradition. Nous voulons d'abord savoir si notre fille t'a accepté. Ma femme, appelle-la. Qu'elle vienne par ici. Ok, un instant. Emmanuela, acceptes-tu cet homme pour époux? Oui, je l'accepte. C'est bien. Jeune homme, tu peux venir avec ta famille quand vous êtes prêt. Oh mon vieux, je suis prêt. Même demain, je peux venir. Merci. Merci, mes aînés. Attendez, attendez que j'apporte le mets spécial que j'ai fait pour cette occasion. Suis-moi à la cuisine, allons-y. Elle est bienvenue dans la famille, mon merci, fils. Merci, merci beaucoup. Oui, oui. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thrones of my state, we couldn't keep. Betrayal's been lies on the seat. Let us down apart to a bittersweet defeat. Our marriage built on fragile rocks crumbled beneath the weight of lies unjust. The secrets we buried, the truth we denied, now we stand at the end. No shelter for the fire. Love shelters for the fire. Each whisper of falsehood, each time a hidden scheme, taught the fabric of our once cherished.